Salut! Ah? Ah ouais, donc lui, il répond même plus, quoi. Bah je sais pas, peut-être que Ludo a fait une connerie. Non, bah en fait la journée, je crois pas. Hein. J'espère. Qu'est-ce que tu fous? Oui, je sais qu'on s'appelle. Bon, alors, j'ai regardé Doctor Who. Oh putain, c'est pas vrai. Putain, mais depuis le temps que tu te bats avec cette série. Mais comment on peut regarder une connerie pareille? De quoi? Non mais sérieusement, sérieusement, un type qui se balade dans le temps comme ça pour tout changer à sa sauce? Un type qui débarque chez les gens comme ça sans prévenir pour les emmener à l'autre bout de la galaxie, et ça c'est normal. C'est normal, sans déconner. Ah non mais moi à leur place, je porterai plainte pour enlèvement parce que ce type c'est un grand malade. Alors attends, parce que le mieux, c'est qu'il se balade dans une cabine de police londonienne à travers l'espace, normal. Non mais c'est parce que c'est très très cool. Ça c'est parce que le camouflage est... Oui, alors on s'en fout du camouflage, parce que ses pires ennemis, ses pires ennemis ressemblent à quoi? À des poivrières. Alors moi, je passe tous les jours au resto avec des poivrières, je sais bien regarder, bien dans les yeux. Non non non, j'arrive pas à avoir peur d'une poivrière. Si, à la rigueur, s'il y a un risque de crise cardiaque en mourant de rire quand tu les regardes voler. Mais c'est les Daleks, tu veux pas les Daleks? Voilà, c'est ça, j'ai oublié, les Daleks, les Daleks, les plus ils sont un nom ridicule, là, mais... Ah mais oh. je te parle pas des statues qui tuent, les statues qui tuent quand t'arrêtes de les regarder. C'est trop stylé. Enfin, ah. Les dinosaures perdus au milieu de Londres. Mais t'aimes bien Jurassic Park, c'est pareil. Et les ennemis avec une tête de rhinocéros, sérieux. C'est sérieux, les ennemis. Oui, c'est pas vraiment des ennemis. Ah oui, attends, j'ai mieux encore, les gonzesses. Les gonzesses qui l'accompagnent tombent systématiquement amoureuses de lui. Alors, ça, c'est pour une dernière. Des clichés, excuse-moi. Non, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Tu s'en fous parce que je suis désolé, mais scientifiquement, la moitié des trucs tiennent pas la route. Entre les étoiles qui explosent, le temps qui reboot comme un ancien, les planètes entières coincées dans le temps, et puis Docteur Who qui dit non, ne me prenez pas pour un dieu. Alors qu'il fait que ça. Il fait que ça, se prendre pour un dieu, bordel de merde. Et puis, c'est quoi son problème? C'est quoi son problème avec notre époque, ce type? Hein? Pourquoi il enlève que des gens de notre époque? Monsieur Paul est 5 milliards d'années dans le temps. Mais non, 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 monsieur Docteur Who se contente d'aller kidnapper une blondasse des banlieues. Et puis je suis désolé, on comprend rien parce qu'à chaque fois. Ça va. J'ai compris, j'ai saisi le concept. On peut savoir ce qu'il prend là, comme ça, de démonter gratuitement ma série préférée. Gratuitement? Non, mais tu sais bien ce que je veux dire. Alors, d'une, ça vient de me coûter 20 balles. De deux, tu me bassines depuis des mois avec cette série qui serait le chef-d'œuvre de toutes les séries depuis la nuit des temps, et c'est juste n'importe quoi. Mais, j'ai mis 20 balles dans le local, du coup, je suis excusé par avance, hein? Oh putain. Oh putain, ça fait du bien. Mais Ludo, défends-toi, c'est ta série préférée quand même. Mais arrête, tu veux déclencher une dispute. Bon écoute, on peut quand même au moins en parler un petit peu. Top. 20 balles dans le bocal. Y'a pas tort. Juste un point alors, juste... Bocal. Ça, toi, tu cautionnes ça. Bah quoi, c'est la règle, hein. C'est Ludo qui l'a inventé. Bah oui, non mais là, il dérange carrément à la règle aussi, là. T'es chiant, je te jure. Au fait, je me souviens plus bien, les dinosaures, c'est dans la saison 8 ou dans la saison 9? Ah non, 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 mais c'était juste pour être bien sûr que t'aimes pas. Hein. Ça va ta gueule. Ils ont 10. Franchement, je vois pas ce qui te rend si content. Bah, j'ai gagné. Non, tout le temps qu'il perd entre les séries et les disputes, et bah c'est pas comme ça que Ludo il va devenir un grand sculpteur connu, hein. Et c'est pas non plus comme ça que Vlad il va gagner ses étoiles de chef. Bah bon, je dis ça, je dis rien. C'est déjà un humain qui a réussi, moi. Ouais, j'ai compris. De me voir si belle dans ce miroir. Ben, t'es prêt? Depuis que je suis né. Ah, qu'est-ce que vous foutez dans ma chambre, vous encore? Alors, je vous autorise une fois, alors ça y est, c'est la porte ouverte sur toutes les fenêtres, hein? Bon, tu sais comment me faire pardonner, jeune étalon? Ou jeune étalonne? Ou jeune jument? Abonne-toi à la chaîne YouTube, like la page Facebook, et je te rappelle que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, surtout si tu voyages dans l'espace et tant bien un peigne Sonic. Ce qui est pas très pratique, parce que sur le peigne, c'est pas... À moins qu'il soit plus grand l'intérieur.